It is not liberation when you say women should go naked. It is just oppression because men want to see them naked. So they try to tell them that they should be liberated. They shouldn't put on this covering we are putting because they want to cheat them. They want to oppress them. They want to see their nakedness. That is why they are preaching that Islam is oppressing women. So they have to be liberated. They have to go naked. They want to see them naked. That is the reason behind it. That's what I feel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa lillahi alhamd. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما Hijab, charchef, chador, dupatta, sitar, dankana, sefsari, hayyik. Reflet de la diversité culturelle des musulmanes, le voile est une prescription religieuse et un pilier de l'identité islamique. Il a toujours suscité la méfiance et l'hostilité des adversaires de l'islam. Colonisateurs condescendants, impérialistes, dirigeants laïcs autoritaires, en Europe, en Afrique, en Asie, ont tous lutté contre la femme musulmane et son voile. Tantôt par les médias, la contrainte et les lois, tantôt par la propagande et par la séduction. Comme si ce voile de piété inscrit dans la longue histoire de la civilisation était une provocation impardonnable. So, it brings to his mind all the negative ideas about the Islam and Islamic countries and say, oh, you see that veiled woman, she's oppressed. She must be an oppressed woman at home. She must have married her husband without her own will. Of course, she can't work with that thing she's wearing, so she doesn't have financial independence. And so, and then he makes conclusions, and I don't think that is right. C'est cette guerre contre le hijab que nous allons dévoiler. Cette hostilité débute au XVIe siècle. Les premières musulmanes à subir ces attaques sont les morisques, terme par lequel on désigne les musulmans d'Espagne convertis de force au catholicisme, mais restés fidèles à l'islam. 1492, prise de Grenade. L'ancien émirat islamique est intégré dans la couronne de Castille. Plusieurs centaines de milliers de musulmans passent sous la domination de souverains chrétiens. Les musulmans sont d'abord autorisés à conserver leur religion, mais des colons viennent repeupler le territoire et des mosquées sont transformées en églises. Certaines élites musulmanes s'exilent en Afrique du Nord. La majorité reste, espérant bénéficier d'un pacte de protection. Mais en 1499, l'archevêque Francisco Jiménez de Cisneros mène une politique d'évangélisation plus coercitive. Après une révolte,
les rois catholiques décrètent l'expulsion des musulmans de l'ensemble de la couronne de Castille. Des milliers de croyants demeurent pourtant dans la couronne d'Aragon. En 1526, Charles Quint réunit à Grenade une commission d'experts. Elle préconise l'interdiction de nombreux aspects cultuels et identitaires de l'islam. La langue arabe, les ouvrages de théologie et la Hama Fala, le voile des femmes morisques. Les musulmanes sont considérées par les historiens comme ayant été le bastion du refus de l'assimilation en Espagne. Avec l'arrivée sur le trône de Philippe II, la situation des musulmans s'aggrave. L'insurrection islamique des Alpujarras est réprimée. Les Morisques sont expulsés d'Espagne en 1609. Au cours du XVIIIe siècle, les mondes islamiques s'affaiblissent considérablement. La colonisation et l'impérialisme européen, qui se déploie au XIXe siècle, tentent de soumettre l'islam sur tous les continents. Les musulmanes et leurs voiles sont dans le collimateur des grandes puissances. Colonie française depuis 1830, l'Algérie va être un des laboratoires de l'impérialisme culturel occidental. Le voile et le hayyik de la femme musulmane sont très tôt un enjeu de l'hégémonie culturelle pour les colons. Dans les années 1860, le général Eugène Doma est un administrateur clé du territoire. Il organise des expéditions punitives contre les tribus rétives à l'impôt colonial. Il a un plan très précis pour le voile. Si je parvenais à déchirer le voile qui couvre encore les mœurs, les coutumes, les idées justes ou fausses de ce peuple, il deviendrait plus facile de lui choisir habilement les remèdes qui pourraient convenir le mieux. La stratégie de l'administration occupante est claire. Conquérir les femmes. Aller les chercher derrière le voile où elles se dissimulent et dans les maisons où l'homme les cache. En d'autres termes, émanciper les femmes algériennes pour désarmer la rébellion. Détruire l'ultime rempart de l'identité des dominés. En 1958, près d'un siècle plus tard, en pleine guerre d'Algérie, une révolte menace de renverser le gouvernement français. Une cérémonie de dévoilement des femmes musulmanes est alors organisée en soutien aux colonisateurs. Des femmes françaises dévoilent publiquement des musulmanes, visiblement ravies. Laissez passer nos sœurs musulmanes qui arrivent et qui viennent ainsi manifester leur volonté de libération. Leurs voiles sont brûlées. Ces femmes manipulées sont des domestiques et des employés menacés de renvoi. Nous nous rendons compte bien comment nos vêtements traditionnels, notre existence de recluse, sont des éléments qui nous éloignent de nos sœurs françaises de religions différentes. À la manœuvre se trouve Madame Salan, épouse du commandant des forces armées françaises en Algérie. Mais le véritable cerveau de l'opération est le 5e bureau. Spécialiste de la guerre culturelle, il multiplie les affiches de propagande et d'érotisation des femmes musulmanes. Elles sont invitées à se dévoiler. Cette stratégie relève parfois du sadisme. La jeune Monique Améziane, de mère européenne et de père algérien musulman, prépare alors son bac à Constantine.
Des militaires viennent la chercher au lycée. On l'informe que son demi-frère est détenu dans la ferme de leur père, la ferme Améziane. Cette ferme sera un des plus importants centres de torture que connaîtra l'Algérie. Les militaires lui proposent un marché. Si elle se dévoile en public et arbore une cocarde tricolore pour lui donner l'allure de Marianne, son frère aura la vie sauve. Elle n'a pourtant jamais été voilée. En larmes, elle se prête à ce simulacre. Monique devient l'exemple de la musulmane fidèle aux colonisateurs et rejetant sa religion. Durant la guerre d'Algérie, la lutte contre le voile est étroitement associée à la violence. Certains soldats dévoilent de force des musulmanes pour les humilier, parfois prélude à des viols répétés. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. En Égypte, un autre impérialisme est à l'œuvre. À la fin du XIXe siècle, le pays est encore officiellement une province de l'Empire ottoman. Mais il est occupé et contrôlé par le Royaume-Uni depuis 1882, à la suite de plusieurs révoltes. Les Britanniques luttent contre toute résurgence d'un islam civilisationnel et promeuvent des savants compatibles avec l'Occident. Ils combattent également le voile des musulmanes. Evelyn Baring, principal dirigeant de l'ancien pays des pharaons, déclare: la position des femmes en Égypte et dans les pays musulmans en général est un obstacle fatal à l'atteinte de cette élévation de pensée et de caractère qui devrait accompagner l'introduction de la civilisation occidentale. Les Britanniques recrutent également des penseurs égyptiens prêts à collaborer avec le colonialisme occidental. Le livre de l'écrivain francophile Qasim Amin, Tahrir al-Mar'a, La libération de la femme, est activement promu dans le pays. Il a un avis très personnel sur ce voile qui couvre entièrement le corps de la musulmane. C'est en réalité un artifice érotique. Il excite les regards qui deviennent avides de découvrir une petite partie cachée après avoir été attirés. Si la femme montrait pleinement son visage, on y trouverait bien des raisons d'en détourner le regard. En 1922, le gouvernement britannique reconnaît l'indépendance de l'Égypte, désormais une monarchie. Pourtant, le paternalisme occidental vis-à-vis du voile islamique demeure. La figure promue par les Occidentaux est alors l'influente égyptienne Houda Sha'raoui. Elle est l'une des pionnières du féminisme dans le monde arabe. Voyageant régulièrement en France, elle en parle la langue au quotidien. Elle prétend militer en Égypte pour l'émancipation sociale et politique des musulmanes. Au retour d'un congrès international des femmes à Rome, elle abandonne définitivement son hijab.
Elle mobilise au Caire en 1930 un millier de femmes qui se dévoilent publiquement sous les applaudissements de la presse occidentale. La sécularisation européenne influence les élites locales à tous les niveaux de la société. Le militaire, Gamal Abdel Nasser, renverse la monarchie en 1952. Il devient le leader de la nouvelle république. Il fonde l'identité égyptienne sur l'arabisme et le socialisme, et non sur l'islam. Il prend ses distances avec la religion, à la fois dans son mode de vie et ses réflexions. Nasser moque plus ou moins discrètement le voile, qu'il considère comme un archaïsme inutile. أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة كل واحدة تمشي قلت له يعني اذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لايام الحاكم بامر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل و انا في رايي ان كل واحد في بيته هو dans l'est de l'Europe. La contestation de l'impérialisme occidental va conduire au même processus. Russie, 1917. La révolution qui renverse le tsar est une déflagration politique. Se présentant comme les partisans d'une ère nouvelle, les bolcheviks prétendent s'opposer au capitalisme et à l'impérialisme. Athées déclarés, les bolcheviks semblent d'abord conciliants avec l'islam. Ils doivent composer avec des musulmans qui sont plus de 10% de la population de l'ancien empire. Les tribunaux islamiques sont relativement tolérés et le droit des musulmans à l'autodétermination est affirmé. Mais l'islam traditionnel et les velléités d'indépendance sont étroitement contrôlés. Très vite, le pouvoir bolchévique montre son vrai visage. Il réprime durement les émirats autonomes et réfractaires d'Asie centrale. Bukhara, célèbre ville d'islam, est assiégée. Les bolcheviks vont aussi récupérer des réflexes de fanatisme et de paternalisme occidental vis-à-vis du voile. L'émancipation promue par les bolcheviks vise spécialement les musulmanes. Alexandra Kollontai, célèbre féministe soviétique, décrit en 1921 le voile comme un attribut anti-hygiénique. Au nom de leur vision de l'égalité, les communistes multiplient les affiches de propagande dans le Caucase. Une stratégie planifiée vise le voile musulman et l'injustice dont il serait le symbole. Sur cette affiche, une femme musulmane, ostensiblement dévoilée, se détourne de la mosquée et rejoint une organisation communiste. Maintenant, moi aussi, je suis libre. Sur celle-ci, datant de 1921, plus vulgaire, le voile est ridiculisé. Travailleuses musulmanes, les tsars, les beys et les khans
t'ont privé de ton droit. Tu étais esclave dans l'État, esclave à l'usine, esclave dans la famille. Le pouvoir des soviets t'a donné un droit égal à tous. Il a rompu les chaînes qui te liaient. Un club des femmes musulmanes est créé en 1923 par la section féminine du Parti communiste soviétique à Tiflis en Géorgie. Enthousiasmée, la militante Clara Zetkin visite ce club. Elle prétend. Pour ces musulmanes, la révolution a été le sauveur, apportant dans leur existence quelque chose d'inespéré, de prodigieux, qui élargit leur horizon étriqué. En 1924, Staline et ses camarades ont pris le pouvoir. Ils se montrent intransigeants vis-à-vis de l'islam et vont reprendre et amplifier la guerre contre le hijab. Le 8 mars 1927, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, les Ouzbeks sont fermement invités à enlever leur voile. Des musulmanes montent sur les podiums et sont dévoilées en public. Leurs voiles sont brûlées. L'islam du Caucase rentre alors dans un long tunnel de plusieurs décennies. Mais la guerre menée au voile n'est pas l'apanage exclusif des Européens. Certains dirigeants de pays musulmans, colonisés mentalement et culturellement par l'Occident, vont tenter d'éradiquer le hijab de leur territoire. Istanbul, 1918. L'Empire ottoman sort affaibli et dépecé de la Première Guerre mondiale. Le calife est depuis 1908 une marionnette dans les mains des jeunes turcs, une organisation nationaliste et maçonnique. La défaite militaire et diplomatique plonge l'État dans la crise. Le militaire Mustafa Kemal en profite. Par la guerre, il obtient un traité bien plus favorable aux Turcs. Il proclame en 1923 la République, dont il devient président, et abolit le califat. Il entame une série de réformes inédites dans le monde musulman. Fermeture des écoles coraniques et des confréries. Contrôle total des imams par l'État. Suppression de l'alphabet arabe. La laïcité est imposée par la force. Kemal fait également la chasse aux vêtements, notamment aux voiles. Mais pourquoi nos femmes s'affublent-elles encore d'un voile pour se masquer le visage? Pourquoi se détournent-elles à la vue d'un homme? Cela est-il digne d'un peuple civilisé? L'incroyant Mustafa Kemal, formé par l'Occident, est imprégné des Lumières. Sa femme pendant 2 ans, Latifeh, est une fille de commerçant fortuné. Francophone, elle a étudié le droit à la Sorbonne, un fait rarissime pour l'époque. Renonçant au voile pour montrer l'exemple, Kemal fait d'elle le symbole de la nouvelle femme turque émancipée. Elle accompagne le chef de l'État pendant ses visites officielles à travers le pays. Des campagnes d'incitation au dévoilement sont menées au niveau local.
Le voile est interdit dans toutes les administrations et les écoles publiques. Les contestations de sa politique laïciste ne parviennent pas à freiner la sécularisation de l'État. Mais l'islam connaîtra un réveil ultérieur en Turquie. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. Le projet de dévoilement des musulmanes rencontre toutefois la résistance des croyants. Kaboul, 1921. Après la courte guerre qu'il oppose aux Britanniques, l'Afghanistan, cimetière des empires, obtient son indépendance. Ayant les mains libres, l'émir Amanullah Khan conduit une politique autoritaire de réforme qui déstabilise la société traditionnelle. Il fait appel aux Occidentaux dans le domaine de l'éducation et crée un lycée franco-afghan. Devenu roi d'Afghanistan en 1926, Amanullah a grandi dans le cadre fastueux et trompeur du palais. Protégé par l'armée, il n'a aucun contact avec le pays tribal et profond. Son programme est calqué sur celui de Kemal. Faire basculer le pays d'une civilisation à une autre. Occidentaliser les mœurs. Opérer le grand remplacement culturel. Il présente en public Soraya Tarzi, sa femme et reine, dans toutes les cours d'Europe, et la fait photographier. Cela suscite la polémique dans le peuple afghan. Son épouse devient le modèle à suivre pour toutes les Afghanes. Il abolit la polygamie et tente d'interdire le voile. En 1928, à la fin d'un de ses discours, la reine et les épouses des fonctionnaires arrachent leur voile en public. Soraya Tarzi est en charge de l'éducation dans le pays et milite chaque jour avec son mari contre le hijab. À Kaboul, certaines rues sont réservées exclusivement à des femmes dévoilées, habillées à l'occidentale. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Le roi est allé trop loin. Une brève et intense révolte islamique est initiée par un chef tadjik soutenu par des tribus pachtounes. Le roi Amanullah abdique et fuit l'Afghanistan. Téhéran, 1925. La dynastie Qajar, dominée par l'influence britannique et soviétique, est renversée par un coup d'état militaire. Le général Reza Pahlavi prend le pouvoir. Il devient le maître de l'état impérial d'Iran, le Shah. Hostile aux religieux, il exalte l'identité pré-islamique de la Perse et veut transformer le pays. Il cible avec insistance la musulmane iranienne
avant-garde de sa nouvelle société. C'est son voyage dans la Turquie de Kemal qui convainc Reza Shah d'accélérer les lois visant le hijab. Une campagne d'éveil des femmes est lancée en 1935. On propose des emplois ou des études supérieures à celles qui abandonnent le voile. Des protestations ont lieu à la mosquée de Goharshad. Reza Shah fait tirer sur les insurgés, faisant près de 130 morts. En 1936, le port du voile, sous toutes ses formes, est interdit dans les lieux publics. Cette mesure est rigoureusement appliquée dans les établissements scolaires. Les milieux traditionnels cherchent alors à soustraire leurs filles. Le résultat de cette islamophobie d'État sera la régression du niveau éducatif féminin. Les femmes des fonctionnaires du régime doivent être dévoilées lors des cérémonies officielles. Les employés dont les épouses portent un tchador sont virés. Les femmes voilées ne sont plus acceptées dans les lieux publics et les conducteurs de bus et de taxis peuvent désormais refuser de les laisser monter. La police reçoit l'ordre d'enlever et d'arracher par la force le voile de toutes les femmes qui le portent en public. Les croyantes fuient dans leur maison pour échapper à la persécution. Le gouvernement veut faciliter la transition vestimentaire et le dévoilement généralisé. Il fait donc acheter pour 500 000 rials de vêtements prêts à porter en Allemagne et en France. Son fils, Mohamed Reza, suivra les traces de son père dans la laïcisation du pays et le mépris des musulmanes. La stratégie est récurrente. Former idéologiquement les élites locales pour faire le sale boulot, des dirigeants influençables et séduits par le mirage occidental, en charge de dévoiler les musulmanes. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Damas, 1946. Occupée par la France durant 20 ans, la Syrie devient une république. Le parti Ba'ath est alors l'incarnation politique du panarabisme. Cette idéologie vise l'unification des différents États arabes en une seule et grande nation laïque. Une série de coups d'État mène à sa prise de pouvoir. En 1970, c'est Hafiz al-Assad, un militaire de la secte alaouite, qui devient le maître du pays. Le président s'appuie sur les services de renseignement, Al-Mukhabarat, qui incite à la dénonciation les opposants sunnites, qualifiés d'islamistes. Tous les postes clés sont réservés à des officiers alaouites de son clan mafieux. Dès 1970, des femmes, essentiellement issues des minorités confessionnelles et des zones rurales, sont recrutés au sein de l'armée et dans les ministères du régime. En revanche, l'État se comporte vis-à-vis des femmes sunnites comme une puissance étrangère occupante. Assad, formé militairement et politiquement en Union soviétique, est un adepte des transformations brutales de la société. Il désire imposer son socialisme arabe laïcisant.
En 1981, le clan Assad et ses hélicoptères passent à l'offensive. Des femmes parachutistes, rattachées aux brigades de défense, agressent des femmes damascènes dans la rue et leur arrachent leur voile. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Contesté et combattu par les frères musulmans, qu'ils répriment durement, Assad en profite pour s'attaquer aux musulmanes jusqu'à la fin de son règne. Cet acharnement contre le hijab a nourri la résistance mémorable d'une musulmane qu'il convient d'évoquer. Tunis, 1956. Protectorat français depuis 1881. La Tunisie obtient son indépendance. Mais l'influence coloniale persiste chez les nouvelles élites. Devenue une république, la Tunisie est dirigée par Habib Bourguiba, avocat formé en France, fasciné par la laïcité et la culture occidentale. Il pose comme un président français. Il développe un culte de la personnalité et multiplie réformes et transgressions à l'endroit des traditions islamiques du pays. Réinterprétant le Coran selon ses passions, il lutte contre les universités islamiques et les madrassas. Provocateur, il va jusqu'à rompre en pleine journée le jeûne de Ramadan devant la télévision. Le bouleversement du statut des femmes est la pièce maîtresse de son opération de démantèlement des structures traditionnelles. Il incite partout les Tunisiennes à ôter leur voile. Il le qualifie de linceul ou de misérable chiffon. Il va jusqu'à moquer la notion archaïque de virginité. La loi de 1956 est une réforme profonde du statut des femmes. Elle interdit notamment le port du voile dans les écoles et les administrations. Sur son mausolée, le dictateur progressiste fera inscrire « Bourguiba, libérateur de la femme tunisienne ». Mais une musulmane va s'élever contre ces provocations. La savante Hind Chalabi. Professeure et musulmane discrète, elle est diplômée de l'université de Zaytouna et consacre sa vie à la religion et l'enseignement. Parce que la femme est du genre humain, elle est appelée à la foi. Parce qu'elle est un corps, elle est appelée à la discipline. Parce qu'elle est un esprit, elle est appelée à la purification, de la même manière que l'homme. L'islam leur a imposé l'apprentissage à tous les deux. Il y a un partage équilibré entre l'homme et la femme pour leur participation à l'humanité. Une femme doit sentir qu'elle est un être qui remplit une fonction dans laquelle personne ne peut la remplacer. Elle est appelée à préserver la première cellule sociale, la famille, du danger de dilution et de corruption. Et cela ne lui est possible que si elle sait ce que la charia exige d'elle. En 1975, elle prononce un discours sur le statut de la femme en islam, en présence du gouvernement et de diplomates étrangers. Le président Bourguiba est aux premières loges. Portant le hijab et le voile traditionnel tunisien, le sefsari, elle refuse de serrer la main du président.
Cet incident va l'empêcher de poursuivre ses activités scientifiques. Elle écrit un article critiquant la politique de Bourguiba, la déclarant contraire au Coran et à la Sunna. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Son insoumission lui attire de nombreux ennuis, y compris avec le dirigeant suivant. Musulmane cultivée et éduquée, fière de sa religion et de son identité islamique, elle ne craint le blâme d'aucun blâmeur. Décédée en 2021, elle représente une lumière de courage et de piété pour toutes les musulmanes dans la nuit moderne.